Et salut à tous, c'est Yon, on se retrouve aujourd'hui pour cette... Qu'est-ce que je fais là? Pour cette 11e partie de Pokémon Dark Rising 2. Au précédent épisode, un petit rappel vite fait, comme d'habitude. En fait, on s'était tout simplement occupé de la 4e ou de la 3e arène, je sais plus. De la 4e arène, qui était de type spectre. Donc allez voir ça. Et puis on avait continué notre route, on est arrivé jusque là, où on s'est arrêté. Il y a plein de monsieur, donc je sais pas si on peut les éviter. Non, j'ai l'impression qu'on peut pas les éviter. Donc on va leur parler. Ah oui, et aussi, sur cette route là où on avait attrapé un nouveau Pokémon. Et Pandarbar. On complète un peu la 6ème génération, donc c'est toujours cool. De, comme je vous l'ai dit, hein, je voulais faire 6G totalement, sauf Kershakrok qui est... Bah, c'est notre starter, hein, donc je voulais juste garder lui qui est pas en 6G. Et faire que de la 6G sinon. Donc pour l'instant c'est réussi. Alors je sais pas, on va parler, tiens, celui du milieu. Souvent celui qui est au milieu c'est le chef. Hein. salut Fire, nous avons été unifiés. Florina nous a parlé de toi. S'il te plaît, entrez dans la base Dark Rising. Ah, j'entre ici. Ah, d'accord. Ok, on va parler à ces messieurs. Je sais pas ce qu'ils nous veulent. Et salut toi. J'ai construit un objet qui va te permettre de détecter les objets qui sont proches de toi. Je vais m'assurer que tu es prêt à t'occuper d'un tel objet. Laisse-moi penser, enfin laisse-moi réfléchir. Ah Fire, laisse-moi te demander. Est-ce que tu as connecté au moins... Ah d'accord, il faut attraper. Ah oui, mais n'importe quoi. Bon, tant pis. Hein. Le cherche objet, tant pis. Et c'est quoi? Ah, c'est le cherche VS. Ah oui, il me le donne direct. Bah il est sympa lui au moins, parce que l'autre il me fait du chantage. Oh, par contre, j'avais encore dit que j'allais les entraîner, et du coup je l'ai pas fait comme d'hab. Donc au pire, hein, c'est pas grave, mais... On va faire commencer lui. Et voilà, maintenant on a toute notre équipe, a priori, ça devrait pas changer. Ah, tiens, non, parce que d'habitude on a tout le temps un qui est niveau 19, genre pour coupe. On avait Flingoust qu'on avait pour coupe, maintenant on a tout le monde. Enfin bon, on va parler à Sydney. Ah, tu es finalement là, c'est la salle où nous aurons notre combat. Très bien. Fire, bouge-toi un peu, hein, tu ne seras pas capable d'aider Kaz si tu ne donnes pas de ton mieux. Je me retiendrai pas. Ouais, Fire, ne pousse pas un Naruto sur nous, quoi. Quoi? D'accord, on a eu la même réaction que... Ok. C'est marrant les petites références à Naruto, hein. J'ai pas trop compris. Pull on, tirer. Non, pull c'est tirer. Push c'est pousser, bref. Je sais pas. Niveau 54 quand même, ça va pas être... Ça va pas être du gâteau. On va faire ça, hein, je sais pas. Roost, ok. Franchement, là, je sais même pas si j'ai un type feu, je crois pas. Bah oui, mais je n'ai pas. Non, mais on va mettre... le Pokémon électrique que j'ai, je sais pas. Peut-être mettre lui. Attends, on va essayer. Aïe, aïe, aïe. Ah bon, voilà, sûrement, on va sûrement décéder de toute façon. Non, on n'est pas mort, ça c'est cool. Ah, du coup, ouais, mais si je me reçois encore un coup, je vais mourir. Bon, on va se soigner, on va voir ce qu'il fait de toute façon. Ah, mais s'il fait roost. Attends, je vais me soigner, je vais faire un test. Max potion. Oui, finalement, il n'y a pas le bug, il n'est pas qu'avec les super potions, il y a aussi avec les max potions. Donc, c'est étonnant, je sais pas pourquoi. Mais du coup. J'en profite. C'est vrai que c'est un peu dégueulasse, mais je sais pas comment faire pour régler ce bug. Et puis bon, c'est pas non plus. Ah non, merde! Ah mince, je suis con en fait, je vous ai dit des conneries. Je n'ai plus de potion max. Bah, ah, mais je sais. Parce qu'en gros, pour le précédent épisode, j'avais utilisé une max potion. Et au début de l'épisode, et en fait, à la fin, je l'avais toujours. Mais c'est parce qu'entre temps, j'avais repris une sauvegarde. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais repris une sauvegarde. Du coup, c'était une sauvegarde à. Une sauvegarde avant que ça ait été utilisé, donc enfin avant que la potion max ait été utilisée, c'est pour ça qu'à la fin je l'avais toujours. Oh, mais ça, il m'a pas mis KO tout à l'heure. Ah, mais je suis con, je l'ai pas re-soigné. Bon, c'est pas grave, on a assez peur. Ah non, j'ai un Pokémon type feu, je suis à l'ouest moi. Ah, bah, je suis vraiment débile, enfin pas débile, mais j'ai pas pensé. En plus, là, il se serait pas pris les picots, notre flambusard. Ah, faudrait que je réfléchisse un peu quand même, moi. Hein. Bon, les tonnerres, ça devrait être suffisant quand même. J'espère, parce que sinon, il va se soigner. Ça sera vraiment embêtant. Allez, s'il te plaît. Ouais, super. Super, Héliolisque. J'ai pas ton nom en français, c'est pas grave. Et niveau 45. Ça aussi, c'est vachement cool. Ok, bon. Ensuite, Lucario. Bon, là, par contre, on va... je sais pas. Ouais, on va mettre lui quand même. Il va bien se débrouiller avec un petit lance-flamme.
Ouais, c'est vrai qu'on l'avait croisée, je sais plus quand on l'avait croisée, mais il me semble que ça me dit quelque chose le fait de la rencontrer dans la base de Dark Rising, dans la base de Dark Rising, le QG de Dark Rising, pour la défier, ça me dit quelque chose cette histoire. Donc je crois qu'elle effectivement nous l'avait dit. Bon, ça devrait aller, ça normalement. Avec un peu de chance, il va se brûler. Ouais, bon, même si c'est pas efficace, nous fait des dégâts. Bon, au moins il n'a pas des restes, donc là ça devrait être. Ça devrait le mettre KO. Il faut vraiment, vraiment que je les entraîne. Parce que là, 10 niveaux d'écart, c'est chaud. Tu déconnes, tu l'as pas mis, ça l'a pas mis KO. Allez, brûle-toi comme ça avec la brûlure. T'es KO. Hein. Ce serait vachement cool. Non, il se brûle pas. Bon, on va attaquer. Parce que de toute façon, il va, voilà, il va se soigner. Donc, on va continuer d'attaquer. Je sais pas si j'ai l'atterrissage. Enfin, bref. Bon, en tout cas, je sais pas ce qu'il y a après. Hein, parce que du coup, ils sont trois à nous bloquer le chemin. Je crois qu'on va se relancer à la. Mais pourquoi je l'ai pas mis KO? Ah, voilà. Bon, je pense qu'on va se relancer à la poursuite de Kaz. C'est ça, le blond. Qui, si vous avez regardé l'épisode précédent ou le 9, je sais plus. Il commence à péter un câble. Hein. En fait, il se prend pour le. Il se prend pas pour de la merde. Hein. Depuis qu'il a appris qu'il était un des trois élus avec Light. Avec moi et lui, hein, du coup, et ben il se prend pour n'importe qui. Enfin bon, je sais pas trop c'est quoi son pouvoir parce qu'en fait on a tous un pouvoir, chaque élu on a tous un pouvoir. Nous, notre pouvoir c'est de communiquer avec les Pokémon. On l'a fait pas mal de fois avec les Pokémon légendaires. Light, lui, c'était de créer ce qu'il veut un peu. Il avait créé, je me rappelle, Pokémon Dark Rising 1 quand on l'avait rencontré, il avait créé un Pokémon un peu bizarre. Donc voilà, c'est son pouvoir. Bon, ça peut être cool, hein. C'était un Pokémon qui n'existait pas, je crois. Donc ça, c'est son pouvoir. Et lui, à Kaz, je sais pas, ah purée mince. Pourquoi il a rayon signal? Ça a aucun sens. Ah, et puis bien sûr. Mais du coup, Kaz, je sais pas ce que c'est son pouvoir. Donc on découvrira, je pense, hein, on a pas mal de choses à découvrir encore. Purée, je me suis vraiment fait avoir sur ce coup, hein. Depuis quand les Hippos ont un rayon signal? Et comme par hasard, je me fais rendre confus, c'est pas grave. Moi, bon, du coup, on va utiliser ça, mais c'est un peu dommage quand même. Parce que du coup, je serais obligé. Ah, bah d'accord, bon, là, je comprends mieux. Je comprends mieux. Il a laser glace, c'est normal. Je comprends mieux. Bon, du coup, au moins, il a toujours le Vampigraine, hein. Ça change pas. Du coup, on va remettre lui. On laisse Karchakrok pour la fin, hein. Notre meilleur atout pour la fin. Ok, donc on récupère des PV, ça c'est cool. On en récupère 20 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et puis on va tenter Tonnerre. Franchement, j'ai pas envie de tenter Fatal Foudre et de rater. Puis je me dis Tonnerre, ça va peut-être le mettre KO, non? Je sais pas, il est team dragon aussi. Allez, résiste, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Ok. Faut pas que ça le mette dans le rouge, j'aurais bien aimé. Ah, s'il a le Tonnerre, ça va le mettre KO normalement. Allez. Ouais, super. Au moins, il se soigne pas. Donc ça, c'est une bonne chose. Allez, mets le KO, mets le KO. Ouais. Bon, c'est pas facile les combats comme ça, mais on s'en sort. Bon, on s'en sort, on a déjà deux Pokémon KO. Deux ou plus. Non, que deux pour l'instant. C'est déjà pas mal. Que deux. Ce qu'on va faire, on va le paralyser, lui. Comme ça, ce sera fait. En plus, il est pas de type sol, donc je peux le paralyser, il n'y a pas de souci. Et puis après, on se met de KO. Bah, c'est pas grave, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ah non, merde. Ah oui, bah, tant pis. Tant pis, hein, j'ai gâché un peu, c'est pas grave. Ah, je suis un peu deg. C'est dommage. Et il baisse son attaque. Ok, donc il baisse son attaque, sa défense. Nous, on va en profiter avec. On va mettre Karchakrok. Hein, et on va en profiter qu'il est attaque de BC, donc il va pas nous faire trop de dégâts. On va en profiter pour faire dans Slam. Ok, il fait dans Slam aussi. Ah ouais, il fait dans Slam aussi. J'espère qu'il va faire deux fois dans Slam, comme ça nous on le met KO derrière avec Dracogriff. Mais c'est pas du tout sûr qu'il fasse. Ok, ça devrait aller, non? Ah, c'est compliqué quand même. Allez, s'il te plaît. Ah, il me fait peur. Hein. Bah, c'est le même genre que Karchakrok au final, donc il fait les mêmes tactiques. Mais il fait un peu peur. T'as 2780, ça rigole plus. Hein. Kyurem! D'accord, Kyurem. Ah, mais faut que j'attaque, il est glace. Faut que j'attaque direct, faut pas que j'hésite. Attends, je fais quoi? Ah, mais sol sur la glace, non, ça fait rien. Allez, on l'attaque. On l'attaque, on tente. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais, la moitié. Allez, allez. Ah, purée. On était pas loin. On était pas loin. On va peut-être mourir, mais au moins. Ouais, au moins, on sait qu'il va continuer de faire colère. Donc,
On va pouvoir attaquer derrière. Du coup, on va mettre plutôt lui, même s'il meurt. Non, je pense qu'il va attaquer en premier. Normalement, il est plutôt rapide. Et là, avec lance-flamme. Ah merde, il était plus rapide. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Un petit peu quand même, mais. Mais bon. On va, du coup, on va mettre lui. Et puis. Puis, je sais pas ce que tu vas faire, toi, en fait. Hein. Je sais même plus ce que t'as comme attaque. J'en ai vraiment aucune idée. Elle était KO. Ah, il est pas KO. Ah, et puis, du coup, il va se soigner maintenant qu'il a plus la colère. On va faire ça. Je vous avoue, là, je sais pas quoi faire. Mais on sait qu'il y a toujours la confusion quand même. Donc on va faire peut-être deux dents slam même. Ah mince, mais il a utilisé une guérison, d'accord. Ah ouais, mais il s'est peut-être soigné. Il s'est peut-être soigné de la confusion, sinon. Ouais, je sais pas. Ah, il s'est soigné de la confusion. Ok. Bon, je pense pas qu'il va mourir non plus, mais. Ok. D'accord. Bon, bah on va accélérer parce que du coup. Je vais pas accélérer, mais maintenant j'ai envie d'accélérer parce qu'on a perdu un peu de temps. Ah, j'ai mal joué là. Enfin, j'ai voulu essayer des trucs peut-être un peu trop risqués. Je sais pas du tout comment on y va. Je sais même pas. Ah, je sais même pas où je suis là. Ah, ok, je vois, c'est bon. Faut aller au sud. Je me rappelle quand elle nous avait donné les instructions, c'était au sud de la ville. Du coup, ça, on a tout fait. Normalement, on a fait toute la route. Hein. Je pense pas avoir oublié un dresseur. Ah, ouais, on est ici. Ok. Du coup, il avait qui en premier déjà? Excusez-moi. Donc, non, c'était pas lui, je crois que c'était lui. Ah oui, c'était un Hermure. Ok, donc on va mettre lui en premier. Puis on va faire en accélérant. Cette fois, en plus, ils vont nous reparler beaucoup. Donc on va faire en accélérant. De toute façon, vous savez les Pokémon qu'ils ont en face. On va se tenter un Fatal Foudre. Ok, on aurait pas dû. Putain, pardon. Mais je suis un peu dingue, on a gâché. On a vraiment gâché le truc, du coup, c'est un peu dommage. Ouais. Ah, ça l'a pas mis KO. C'est bon. Ah, dommage. On va sûrement perdre, hein, du coup, parce que je n'ai gâché un. C'est un peu dommage. Kingdra, ok. Donc, lui, on va quand même lui faire Vampigraine. On va faire Vampigraine, ok. S'il te plaît. On réussit à faire Vampigraine, c'est déjà bien. Puis après, est-ce qu'il nous. Il tenterait pas un Laser Glace, par exemple? Bah, je sais pas, je fais quoi? Je sais pas ce que je fais. Ouais, non, mais on va pas changer. Il y en a un qui va se recevoir une attaque. Tant pis, on va faire. Ok. On a de la chance. Voilà, il perd des PV. On va retenter. Ok. Allez, un petit coup critique, ça aurait été pas mal. Bon, il va se soigner, donc on va continuer d'attaquer. Au moins, ils utilisent une guérison sur lui, hein, pourquoi pas. Ah, ça part vite avec la vampigraine. Ok, ça c'est cool. Ah, c'est vachement cool. Hein. Ah, purée. Ah, je pensais qu'il l'utiliserait peut-être pas son laser glace, mais finalement il l'a utilisé, c'est pas grave. Kyurem. Kyurem, Kyurem. Alors, ce que j'aurais aimé faire, en fait, bon, on va sacrifier lui, c'est soigner notre Flambusard pour que. Voilà, pour être sûr qu'il résiste peut-être au moins à une attaque, je sais pas si ce serait possible. Et pour qu'il fasse. Foufolet, voilà. Je sais pas, aura se faire. Tu vois, ça fait combien? Oh, ça va. Ça aurait pu être pire, on va dire. Ok. Donc lui, on va tenter de lui faire un. Oui, un feu follet. Bah, il est plus rapide du coup, je crois qu'il. Mais tout à l'heure, il a pas été plus lent, je comprends rien. On va faire un flamme. Allez. Ah, purée. Ah, mais il a. Bah oui, je suis con. Tant pis. Bon, allez, on va mettre lui. Voilà, on va se faire un petit dance slam. On va pas se priver quand même. Bon, ok, on a eu de la chance. Voilà, on attaque. Voilà, au moins lui, on est sûr qu'il est KO, il reste là où il est. Oh, séisme! Eh bah oui. J'ai pas regardé les stats, tout ça. Je me suis dit direct, oui, il faut qu'on lui apprenne. Ah, et là, en plus, on a déjà un petit Dracogriffe. Allez, est-ce que ça le met KO? Ok, là, on est bien. Je sais pas si, combien il lui reste. Il lui reste Lucario. Bah, parfait. Séisme. Mais du coup, sans Danslam, on l'aurait mis déjà KO tout à l'heure, Haxorus. Et Volcarona, c'est. Ok, c'est lui. Bon, ça va, séisme aussi. Ah, il n'est pas encore KO. Ah, il n'est pas encore KO. Bon, on va y arriver, hein, normalement. Je vois pas comment on pourrait perdre. Et on refait séisme. Et ben voilà, cette fois on a réussi. T'as eu niveau 51, lui, j'aurais pas trop à l'entraîner. Tu as gagné, c'était un fantastique combat. 16 000, purée. Et gentil. Hein. Peut-être si, on a des... si vous avez des amis qui vous donnent de l'argent comme ça, ils sont sympas. Un jour, je te battrai, Fire. Et merci pour le combat, Sydney, je sais.
que j'ai besoin de m'entraîner dur et je dois arrêter de m'inquiéter à propos de Kaz. Ce combat m'a montré qu'il y a beaucoup de dresseurs forts autour d'ici et je ne peux pas m'arrêter. Je sais pas du tout ce que ça voulait dire, mais j'ai envie de dire ça comme ça. Hein. J'ai perdu tout. Je vais perdre tout espoir de le ramener des ténèbres. Toi aussi, père, je n'étais pas oublié. Ah, ok, non, il dit je ne vais pas perdre tout espoir de. Ok, non, c'est pas j'ai perdu, c'est je ne vais pas perdre, au contraire. Très bien, bon, maintenant le combat est terminé. Qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce qu'on reste ici et on regarde des dessins animés? Non, Dre, d'après les satellites, un énorme nuage, on va traduire ça par nuage, d'énergie négative a été détecté près d'une route appelée Aster Prairie, qui est un petit chemin près de Astraeus City. C'est là où nous allons nous rendre. Très bien. Où est-ce que. Je suis prêt. Je prends de la longue route, les gars. J'ai besoin de m'éclaircir la tête, de me libérer la tête. Je ne serai pas en retard, je vous promets. Pas de problème, à plus tard, Fire. Peace. Ok. Il y a un ami dans la salle suivante, qui c'est? Oh! Attendez, que je me souvienne de son prénom. C'est pas Paul. Ah non, Pete, ouais, c'est pareil. Oui, bah je sais pas si vous vous en rappelez, on l'avait pas revu depuis ce let's play, mais on l'avait croisé pas mal de fois dans Pokémon Dark Rising 1. Mais dans Pokémon Dark Rising 2, on l'avait pas encore croisé, si je dis pas de bêtises. Non, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, Fire. Fais un peu de place dans ton équipe, j'ai un vieil ami qui veut te rejoindre à nouveau. Ok, mais tu veux que je la fasse où la place? Ok, lui il a une. Ah mais non mais oui on est dans le quartier, j'allais dire, il a une infirmière Joël à domicile, mais non on est dans le quartier général de Dark Rising. Ok alors on peut pas mettre un. Ah mais c'est que pour les objets. Y a pas pour les Pokémon. Ah parce qu'il veut me donner un Pokémon mais j'aurais bien aimé franchement, moi j'aurais bien aimé. Mais Ah purée, bon attends on va les faire en accélérant. On va revenir, hein. On va revenir ici. Héliolisk, ouais, Dark Pulse. Ah, mais du coup, mince, mais ils sont pas soignés en plus. Ah, purée, que c'est embêtant ça. Ouais, vas-y, fais des super potions, y a pas de soucis. Allez, mets le KO. Parfait. 1500, Bronzong. Ah, mais si, ils ont été soignés. Qu'est-ce que je disais? Non, je savais pas qu'ils avaient été soignés. Parce que personne nous l'a dit qu'ils avaient été soignés, du coup, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Ok, pourquoi ils utilisent des super potions à chaque fois? C'est débile, arrête. Arrête de faire ça. Enfin bon, tant mieux, hein. Au moins il nous met pas KO. Carnivine, c'est l'eau de Vortante, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Allez, ah, il est pas KO. D'accord. Pourquoi il a fait ça? Il a cru qu'il allait s'en sortir grâce à ça. Bref, on va peut-être le changer. Ah, il avait que ça. Ah, oh, mais il y a plein de dresseurs encore. Ah, je sais que ça entraîne. Ah, purée, tu déconnes. Il m'a vu, non mais n'importe quoi. Ah là 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 là, bon. On va changer. Ah mais. On va lui faire un Fatal Foudre à Goinfrex, il va rien comprendre. Et lui on va lui faire un Vibraquat. Oh purée, ça rate tout le temps cette attaque, c'est incroyable. Non mais je rate toutes mes attaques. Allez. Incroyable. Les deux attaques. Mais attends, mais Vibraquat, ça a raté, tu te fiches de moi? Bon, on va mettre lui. C'est incroyable ça. J'ai fait deux attaques, j'ai raté les deux attaques. Incroyable mais vrai, j'ai envie de le dire. Bon, allez, lui, il faut vraiment qu'on le mette KO. Voilà. Ah bah voilà. Maintenant Goinfrex, tu vas moins faire le malin, quoique tu peux faire malin parce que c'est vrai que t'es un peu embêtant. Du coup, ouais, et Aurasphère, mais bon, Aurasphère, ça devrait se. Bah, il aura pas eu le temps de faire Aurasphère, parce que ça l'aurait mis KO direct. Ok, je sais pas où je dois aller. Il y a quoi ici? Non, il y a rien. D'accord, et j'ai vu qu'il y avait encore un dresseur. On va mettre. Tiens, on va mettre lui, on l'a pas trop vu combattre. On va mettre lui. Je lis pas les dialogues parce que ça sert à rien. Hein. Je pense que vous êtes peut-être d'accord. On va faire ça. Faire ma chouille. Ou B, dis donc. Ah, je pensais pas que ça le mettrait KO direct. Eh ben, Pandarbar, tu me déçois pas, toi. Bon, les autres non plus, vous me décevez pas, mais toi, tu me déçois pas. Bref. Alors. Non, mais. Putain, mais les deux, ils me baissent à fond mon attaque. Et on va se faire sur lui. Il résiste. Ça le met KO ou pas? Non, ça le met pas KO, c'est pas très grave. Comme par hasard. On refait Aurasphère sur lui. C'est bon, il est encore vivant. Et ben voilà, déjà lui en moins. Il est vachement rapide ce gros chien. Pourtant, il a l'air super lent, mais apparemment, il est super rapide. Bref, et puis un Dracogriff, allons-y. Je sais pas qui soigner en fait. Ouais, j'ai pas envie qu'il meure lui. Ok. Allez, s'il te plaît.
Ah purée. Et toi, tu te soignes toi-même maintenant? J'arrive jamais à attaquer quand je suis confus ou quoi? On pense que c'était débile. Hein. Vous avez vu trois fois? Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai, bref. Ok, super. Putain, si t'avais attaqué avant, là tu m'as déçu. Il y a 2 secondes, je te disais, j'étais fier de toi. Mais là tu m'as saoulé. Non, tu m'as saoulé. Bref. On va continuer, du coup j'aurais bien aimé continuer à le faire combattre, mais. Ah bon sang. Bon. Tant pis, là, je pouvais passer. Ah non. Là je peux passer par là? Non. Mais c'est trop bizarre, à chaque fois il y a des décalages de. Des décalages de bidules, d'arbres, des trucs comme ça. Et du coup. Du coup ça crée. Bah, ça crée un décalage. Et oui. C'était très français tout ça. Bon du coup. On va retourner, hein. Je suis un peu deg, je pensais qu'on n'aurait pas retourné. Mais il faut retourner dans tous les cas au centre Pokémon pour aller chercher le petit flingouste qui a coupe. Et puis pour libérer la place, du coup, on va enlever 2 Pokémon. Comme ça, on va voir qui veut il veut nous donner. Je vois pas trop qui dit, de qui veut parler. Un vieil ami qui veut nous rejoindre. Je sais pas. Peut-être. Ah, peut-être Victini. Parce qu'on avait un Victini dans Pokémon Dark Rising 1. Non, on n'avait pas de Victini. Non, c'est dans Victory. Sinon, non, on avait dans Victory Fire, mais aussi dans Dark Rising 1, si je dis pas de bêtises. Et puis on va enlever, je sais pas, lui. Hein. Peu importe. De toute façon, on les reprendra après. Hein. Voilà, on y retourne. Du coup, on pourra aller reparler. Ah, mais j'aime pas comme c'est fait, par contre, cet endroit. C'est un vrai labyrinthe. Et puis, comme il y a des. C'est mal fait. Là, par exemple, vous voyez ça, il y a. Enfin, je trouve qu'il y a de l'espace. Normalement, quand on peut pas passer, c'est que les arbres sont vraiment les uns sur les autres. Et ben non, on peut pas passer. Là, on dirait vraiment qu'il y a un chemin, je sais pas. Je trouve ça dommage. Mais bon, c'est pas non plus. C'est pas très grave, hein. Je suis pas en train de m'énerver. Calme, calme, calme. Bref. Tu vois, on peut aller peut-être chercher un truc là, il y a quoi? Il y a un objet, je pense qu'il a pas mis ça pour faire joli. Oh, ok, un super bonbon. Bah cool. Bah vous saurez qu'ici, un super bonbon au moins. Je peux pas rentrer? Ah, ok. Bah il est où? Ah ok, il est ici. Ça va. Ah il. Parlons de case. Ok, attends, je vais lire le dialogue parce que du coup c'est pas le même truc que tout à l'heure. Il a dit qu'il était plus sous contrôle de l'énergie, donc à un moment il l'a été. Je me rappelais plus. Ouais. Tu as cassé le sort, en gros, c'est grâce à toi que j'étais plus sous son influence. Donc je sais que tu peux faire la même chose pour lui. Oui. Mais je ne pense pas qu'il. Là, enfin, en gros, le problème, c'est que je ne pense pas qu'il soit sous un sortilège. Oh, mais tu peux quand même essayer. Professeur Yvan m'a donné un vieil ami à toi qui pense que enfin, ça pourrait aider Kaz à Victini, c'est ça. Ouais, mais Victini, non. J'en ai quasiment chaque let's play au final. Victory Fire, Dark Rising 1. Bon, ça fait que 2 let's play, tu vas me dire, mais. C'est quand même beaucoup. Là, niveau combien? Niveau 50, par contre. Ah, c'est intéressant. Mais non, je vais pas le garder. Hein. Non, en plus, les attaques, elles sont nazes. Enfin, elles sont cool, mais un peu nazes quand même. Bref. Donc, on va aller jusqu'à la ville suivante. Puis, on va s'arrêter dans pas trop longtemps. En fait, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression d'avoir pas fait grand-chose quand même. Donc, on va pas s'arrêter tout de suite. Je sais pas depuis combien de temps on tourne, mais. Non, je sais pas, j'ai cette sensation qu'on n'a rien fait. Bref, on va déjà trouver le centre Pokémon pour remettre ce qu'on a pris et pour récupérer ce qu'on a mis dans le PC. T'as dit donc c'est fait bizarrement là aussi. Je sais pas comment elle s'est débrouillée, mais. Oh là, mais je comprends rien. Attends. Ah, mais d'accord, c'est pas la même maison. Ok, j'ai cru que j'étais retourné en arrière. Ok. Donc, on va soigner. Quoique, je sais pas s'ils ont besoin d'être soignés en fait, mais c'est pas grave. Et puis, on va reprendre nos Pokémon chéri. Bon, toi, tu vas récupérer cette place. Et puis toi, bah, tu vas récupérer l'autre place qui reste, Victini. Bon, ça aurait pu être intéressant. Vous savez qu'on peut obtenir un Victini, mais bon, voilà, moi, ça m'intéressait pas plus que ça. J'en ai déjà eu pas mal, des Victini, et j'aurais bien aimé essayer de varier. Et puis j'ai envie de faire plus de 6e génération, surtout. Bref, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok. Ok, bon, pour un truc de casino, il doit y avoir un casino dans la ville, j'imagine. Peut-être ça, le casino, non? Mince, bon, je sais pas comment on fait pour y aller. Ah d'accord, faut passer par là. Ouais, c'est ça le casino. Oh, dis donc. Il y a nos amis là. Oh, Fire, je ne peux pas te parler maintenant, je suis en train de jouer à ce jeu. Allez, regarde. Tu n'as pas. Mais comment je fais pour. Comment je fais pour avoir moi? Bon, c'est pas très grave. On va visiter un petit peu la ville. On va regarder l'arène. C'est une arène de type vol. Ok, très bien.
Bon, on va visiter un petit peu. Je sais pas où on est censé obtenir cette. Ok. Alors j'ai parlé à un gars totalement au pif. Et il me donne la boîte Poké-Jeton. C'était vraiment pas fait exprès, j'ai parlé vraiment au pif. Du coup, attendez, on va reparler à Dre parce qu'il nous a dit, ah mais t'as pas de boîte Poké-Jeton, hein, je sais plus comment on dit. Boîte jeton tout court, je sais pas pourquoi je dis Poké-Jeton. Mais au fire, je peux pas te parler. Regarde. Ok. Bah écoute, c'est sympa. Ah tiens, Flora. Et Fire, comment ça va? Ok. Bon. Ouais, je pense qu'on va aller se mettre devant la reine. On regardera ça au prochain épisode. J'ai envie d'arrêter ici pour l'instant. Donc, on va se mettre ici. Et puis, moi, je vais vous dire rendez-vous pour le 12e épisode. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Je vous donne rendez-vous pour le 12e épisode. À bientôt tout le monde.